voilà, c'est le départ. Il est 6h45-50. On va devoir descendre pour aller petit déjeuner rapidement. Et surtout, nos hôtes, normalement, nous amènent à la station pour nous aider à trimballer nos sacs, ce qui est plutôt gentil. On part là pour vers 7h, normalement, pour la gare. Pour aller jusqu'à la gare de Tokyo, où on est censé récupérer un Shinkansen pour aller jusqu'à Nikko. Voilà. Enfin, au Hayama, en fait. De Hayama, on prend un JR. Voilà. Voilà, en fait, c'est ça le Shinkansen. Apparemment. Donc hier, ce que j'ai filmé, ça semblait pas être le bon, vraiment, train. Et du coup, nous, on n'a pas de place réservée. Donc on va rentrer. Et un peu comme dans les TER, s'il y a de la place, ben, on s'assoit. Sinon, ben, on reste debout. Et en bas, du coup, voilà. Donc, c'est ça, c'est la direction Sendai. Et Yamabiko. C'est écrit aussi 205, Yamabiko. Voilà. Alors ça y est, on arrive à Nikko. C'est la montagne. C'est un peu perdu. Bon, le seul problème, c'est que vu que c'est plus petit, mais très touristique, il y avait au taquet d'occidentaux, enfin là c'est des Espagnols et quelques Français. Donc ça nous change un peu de Tokyo où bizarrement on avait l'impression qu'il y avait beaucoup plus, enfin beaucoup moins de touristes. Alors qu'ici on en croise beaucoup plus facilement, mais certainement parce que c'est plus petit. Donc voilà. Et donc on a pris le petit le train jusqu'à donc Shinkansen, puis le train jusqu'ici. Et après, donc là, je vais faire vos toilettes. Cool. Et, wow. Et après, on va aller à l'auberge de jeunesse. En espérant du coup qu'on puisse déposer les affaires, parce que sinon, on va devoir se trimballer les affaires sur le dos. Ou alors retourner à la station de métro, poser les sacs si on peut. Enfin bref, sinon ça va être compliqué, parce que sinon c'est qu'à 16h qu'on peut poser les affaires. Donc voilà, on va voir. Mais ça fait plaisir parce que c'est la montagne, il fait beau. Voilà, donc là c'est notre auberge de jeunesse où on va dormir. Là le truc vert c'est des casiers où on a pu laisser nos bagages. Donc c'est prévu, c'est fait exprès. Donc on laisse nos bagages et après vers 16h, à partir de 16h jusqu'à 22h, on peut y retourner pour le check-in. Et là maintenant on va chercher à manger et on prépare la journée d'aujourd'hui, tout simplement. Et donc là on peut voir qu'on est au pied d'une rivière et on est dans les montagnes. C'est agréable, très agréable. Bon, en fait ici au Japon des fois ils ont plein de choses qui sont à l'envers de ce qu'on utilise. Genre pour ouvrir on appuie et pour fermer on soulève. Ou alors les portes. Donc ça, ce sont des dengo. Donc là, on va dans un petit restaurant normalement végétarien, voire vegan. Et on doit enlever les chaussures. C'est trop bien, c'est trop bien. Du coup, on va en haut. Donc là on va en direction du Togune Shrine qui est un des temples
les plus vénérées du Japon, où en fait, qui est... Attends, c'était quoi l'histoire? Que c'est la famille Tokugawa, le shogun Tokugawa, qui a créé ce temple, donc qui est un des plus vénérés. Donc ça, c'est du Tokoroten, et c'est de l'agar agar. Enfin, je viens de le googler. C'est un plat de la cuisine japonaise fabriqué à base de l'agar agar extrait par ébullition de certaines algues comestibles comme le tengusa et les ogonori. En utilisant un outil dédié, la gélatine est pressée en forme de nouilles. Voilà. Donc là, il remplit l'objet et il les sort et ça sort sous forme de nouilles. Voilà. Et je vais donc goûter ça parce que je goûte tout et n'importe quoi. Et donc c'est écrit en bas Tokoroten. Ça donne pas très envie, mais on va tester. Conclusion de ce truc, c'est pas très très bon en fait. J'ai goûté, hein. J'en ai mangé genre deux baguettes à peu près comme ça. Et non, ça va être un non pour cette fois-ci. Pas terrible. Voilà, donc là on est rentré au Toshogu Shrine. Attends. Alors, petit résumé. Après avoir fait le temple, on a quitté le temple pour retourner à l'auberge de jeunesse, là où on s'est enregistré. Là, on s'est posé quelques minutes parce que déjà on avait la wifi. Et puis c'était bien, c'était au calme. Elle est magnifique. Elle est trop belle, l'auberge de jeunesse. Et après, en fait, on a tout de suite décidé de sortir pour acheter. Enfin, tout de suite. Hein. J'ai pas les trucs dans les dents. Hein. C'est vrai? Bon. Et du coup, on a décidé d'aller acheter à manger et après aller à l'onsen. Bon. Il est 6h et on doit aller à l'onsen avant 8h. Donc je pense que ça sera bon. Parce qu'après, il ouvre jusqu'à 22h, je crois. Mais c'est juste que l'entrée. Parce qu'on a un ticket particulier avec l'auberge. Et donc, du coup, on a moins cher. Et en fait, on a marché pas mal de temps pour trouver notre manger. Donc, on s'est pris des bento dans un combini. C'est une petite supérette ouverte H24. Et donc, du coup, là, on va la manger dans notre jolie auberge de jeunesse. Et après, on va partir pour l'onsen. Donc, les eaux thermales. Les bains chauds pour se reposer et profiter un petit peu de l'eau ici qui est connue pour avoir de super bains parce qu'on est un peu dans les montagnes. Voilà. Et on part demain vers 8h-9h pour Kamakura. Se change, on se recoquette et on va se laver de l'autre côté.
Donc voilà, on vient de sortir du onsen. C'était super agréable. Au début, il y avait des japonaises avec des enfants. Et puis après, on était toutes seules. Et vraiment, ça faisait du bien. C'était super chaud. Et là, on a le verre d'eau. Pour se désaltérer après. On ne sait pas trop où c'est qu'on va. Normalement, c'est un hôtel. Mais on entend de la musique et tout. Et vu que normalement, c'est aujourd'hui le premier jour de l'Obon, la fête des anciens. Il y a peut-être quelque chose à voir. Il faut grimper encore. Japonais. Donc on a les petits jeux, on a les tables où on mange, on achète la nourriture au fond dans les stands, puis il y a la musique, on danse. Là il y a à boire. Et là-bas du coup on doit avoir à manger. Brochettes et tout. C'est dommage qu'on a pris à manger parce que sinon on aurait pu s'arrêter ici. Banane en brochette. Là des yakitori.